Good morning, allez, il y a une étude aujourd'hui, le Nishmat Mourir Bishmol Ben Shlomo Zalman Nissim Ben Nahouda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Menachot, Perek Vav, Mishnah Vav. Haomer Ayaba Isaron, Mishalosh Sein. Shte Alechem Shnei Sronim, Mishalosh Sein. Lechem Apanim, Esrim Verba, Esronim. Mais Esrim verba Sein. Mishnah très courte dans les mots. Mon explication, ça va être un peu plus long. Ça va nous permettre d'ailleurs d'introduire les prochaines Mishnayot qui vont nous faire entrer dans un calcul assez complexe à notre époque, dans la mesure où on n'a plus des. Nous, chez nous, il ne reste que des mesures décimales. Je vous expliquerai le problème ensuite. Concrètement, d'abord. Bon, on commence par traduire d'abord la Mishnah, comme ça on s'est acquitté des mots. Après, on reviendra de nouveau sur la Mishnah une deuxième fois. Haomer ayaba isaron mishalosh sein. Le Omer que l'on a porté à Pessah, le deuxième jour de Pessah, il y avait le Korban à Omer, il fallait prendre de l'orge et en tirer de là-bas de la farine. Il fallait tirer un isaron de shalosh sein, une mesure de 3 sein, en tirer de là-bas un isaron. Lorsqu'on dit un isaron, ça correspond à un asirit haefa, un dixième de efa. Donc un dixième de efa, on tirait un dixième de efa à partir de 3 sein. Et après, on va expliquer par rapport avec le tableau, ça va être simple. Shte alechem, par contre, lorsqu'on a porté les shte alechem à Pessah, à Shavuot cette fois-ci, le fameux korban des shte alechem avec les shalmet tzibur, qu'on avait déjà pris, qu'il fallait balancer, les deux grands pains, et bien ces deux grands pains, ils faisaient au total shne is esronim, de Shnei Esronim, Mishalosh Sein. Il fallait tirer là-bas deux Isaron de farine à partir de 3 Sein. Lechem Apanim, Esrim Verba Esronim, mais Esrim Verba Sein. Le Lechem Apanim, le pain, les 12 pains du Shabbat, chaque pain, il faisait deux Isaron, et il fallait tirer donc pour les 12 pains, 24 Isaron à partir de 24 Sein. On va prendre 24 CA et on va tirer de là-bas 24 Isaron. Et on va faire un petit peu d'ordre dans les mesures qui ont été évoquées et expliquer pourquoi il y a des différences en fait. De manière générale, le sujet de notre Mishnah, c'est de savoir quelle quantité de blé brut tu vas prendre pour qu'une fois que tu vas le moudre et ensuite le tamiser, tu vas retirer de là-bas la quantité de farine de 1 isaron, ou de 2 isaron, ou de 3 isaron. Quelle quantité de blé brut va-t-il falloir prendre pour tirer cette quantité de farine? Et, alors, on revient maintenant sur les mesures qu'on a déjà évoquées plusieurs fois. Là, ça va être l'occasion de rentrer en plein dedans. On a Eifa, vous vous rappelez du moyen mnémotechnique, Escalave Goudo. Escalave, c'est les 5 mesures que l'on va parler en général. Eifa, c'est un kav log beitza. Regardez. Eifa, c'est un kav log beitza. Escalav et goudo, c'est les coefficients. Une Eifa, dans une Eifa, il y a 3 sein. Une CA, il y a 6 kav. Dans un kav, il y a 4 log. Dans un log, il y a 6 beitza. Le beitza, c'est ce que vous connaissez. C'est la quantité de pain. Une beitza fait en général 2 étimes. Donc 2 étimes, V1 kazaït, ce qu'on dit 27 grammes. En réalité, c'est pas 27 grammes, c'est 27 cm cubes. Dans l'eau, le volume d'eau, la masse volumique de l'eau, c'est 1. C'est-à-dire, 1 litre d'eau va faire 1 kg. Donc c'est pour ça qu'on a traduit 27 cm cubes par 27 grammes. Mais en réalité, c'est pas exact, ça dépend des mesures. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va arriver au bout du compte avec la farine, il va y avoir un grand décalage. Donc succinctement, donc, ça vous donne une approche. La beitza, 27 ou 26... ou 28, plusieurs avis, un peu nuancés. Alors, j'ai fait une petite erreur dans le calcul, j'ai calculé avec 56, j'ai dû calculer avec 54, ça va peut-être être un peu mieux. Bon, je vous expliquerai après. Regardez, il y a donc Eifa, c'est à Kavlok Beitza, avec les coefficients, on se retrouve pour le moment, essentiellement deux mesures qui nous intéressent pour la Mishnah, c'est la Eifa et la CA. Une Eifa fait 3 Sein. Histoire de comprendre un petit peu de quoi on parle, je vais tout traduire ensuite en Beitza, pour pouvoir parler en litres par rapport à des mesures que nous on connaît. Un chiour de un beitza du pain, c'est pour faire le birkat amazon minatora. Celui qui mange que un kazaït, de faire le birkat amazon midrabanan. Celui qui mange un kabeitza, de faire le birkat amazon oraita, ça veut dire 54 grammes. D'accord. Comme je vous l'ai dit ici, une beitza, 56, 54, 56 cm3.
54 cm cubes, c'est plus ou moins la même chose. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la Eifa et Sea. On va parler dans la Torah, on va toujours parler de Veha Omer Asirit Eifa. On va parler toujours de Isaron. Isaron, lorsqu'on voit le mot de Isaron, littéralement le mot Isaron, c'est un dixième. Et parce que Bemet a Omer Asirit Eifa. Une quantité de un Omer, c'est une Asirit de Eifa, un dixième de Eifa. Ce qui signifie que lorsque je vais parler d'un Isaron, je fais allusion en fait, un Isaron, ça correspond à un dixième de Eifa. Et puisque une Eifa correspond à 3 CA, donc un Isaron correspond à 3 dixièmes de CA. C'est clair? 3 dixièmes de CA, un Isaron, c'est la quantité requise qu'on rencontre dans nos cuisines à chaque fois que les femmes pétrissent du pain, ou même les hommes, c'est en général un travail de femmes, entre parenthèses, c'est bien de prélever la chaleur, c'est écrit dans le bénéchat de prélever la chaleur dans les... pour les Yamim Norim, lorsqu'on va y arriver, ça fait que de demander à sa femme, c'est un peu l'organiser une challah pour que l'homme prélève lui-même challah, qu'il fasse cette misoire au moins une fois par an. C'est apporté, c'est bien de le faire pendant les jours de Aseret Yom Teshuva. Je ferme la parenthèse et je reviens. On fait, lorsqu'on fait donc la quantité de challah requise de blé, il faut faire un Isaron, qui correspond en fait à, selon la traduction, puisque dans une Eifa il y a 432 Beitza, un dixième de Beitza va nous faire 443,2 Beitza. 43,2 Beitza, puisqu'une Beitza, j'ai traduit ça avec 56 cm cubes, et donc je suis arrivé à l'équivalent de 2,42 litres de farine, ça ne correspond pas exactement, non, c'est à partir de 1,666 kg, les Ashkenazes sont à partir de 2,499 kg, mais c'est pour une autre raison, c'est tout simplement parce que la masse volumique de la farine, elle est plus légère, donc quand je te dis de prendre 2,5 litres de farine, alors, si tu vas le peser, apparemment tu vas tomber dans 1,6, selon des calculs, sans compter qu'il y a plein de machlokot, c'est quoi exactement le kazeit, le kabeitza. Il y a des machlokot, lorsqu'on prend comme convention, ce que je dis, 56 cm cubes, c'est pas faux, c'est que c'est pas l'avis qu'on tient pour la lacha. Il y en a qui pensent que c'est 56, qui pensent que c'est 24, 54, il y en a que c'est nettement inférieur, ça tombe je crois à 18 ou 19 cm cubes, et doublé, ça va faire l'équivalent de 38, et je crois que c'est selon ça aussi qu'on craint la vie. C'est pour ça qu'on va se retrouver d'ailleurs pour la challah, hein. On se retrouve avec des mesures, par exemple, pour le prélèvement de la challah, qu'il faut pétrir à partir de 1,2 kg de farine, alors on commence à être mahmir, de prélever la challah sans bracha, 1,66 kg pour les 666 pour les sfarades, on commence à faire la bracha, pour les ashkenazes, la barre est encore plus haute, parce qu'ils craignent la vie du chazonish, qui a prouvé, en fait, c'est pas le Trazonis, c'est le plus antique même, qui avait un autre système de mesure qui est beaucoup plus large sur les mesures, qui fixe la barre plus haute, donc ils vont faire 2,5 kg. Ça, c'est pour se familiariser un petit peu avec les mesures. D'accord? Ce qui m'intéresse maintenant, après tout ce qu'on a débattu, on retient que Asirit Haefa, c'est cette ligne qui m'intéresse. Un Isaron, c'est Asirit Haefa. Isaron, ça vient de Esser. Un petit Isaron, c'est-à-dire un dixième. On parle à la combinaison Asirit Haefa. Fait l'équivalent de 3 dixièmes de CA. Un Isaron, c'est 3 dixièmes de CA. Puisque c'est un Isaron, c'est un dixième de EFA, et qu'une EFA, c'est 3 CA, donc un Isaron, c'est 3 dixièmes de CA. Et je vous donne maintenant la donnée de base. Maintenant, j'explique le principe de la Mishnah. De manière générale, lorsque plus le grain de blé il va être sec, plus on va pouvoir mieux le moudre et tirer plus de farine. D'accord? Principe simple, normal. Plus le grain il va être humide, moins on va réussir à le réduire en poussière. Il va y avoir beaucoup plus d'obsolètes. De manière générale, donc, dans l'année, et aussi une deuxième donnée, c'est que la farine produit plus de farine. C'est lorsqu'on va moudre la farine, on va récupérer plus. Lorsqu'on va moudre le blé, on va récupérer plus de farine de blé que si on devait moudre de l'orge, on récupérait moins de blé. Il y a plus de d'écorce et de peau. Voilà les deux données pour tout comprendre tout le principe de la Mishnah. On va prendre d'abord le cas le plus classique. Lorsqu'on a du blé bien sec, vieilli, que maintenant on va vouloir le moudre, en général, on va prendre une quantité de blé, on va récupérer 30% de farine, et tout le reste va être des écorces que l'on va jeter. Si on récupère de la farine bien blanche pure, alors on va récupérer l'équivalent de 30% plus ou moins. C'est-à-dire, si je traduis ça en mots de la Mishnah, on va voir que si je vais prendre une quantité de 1 CA, je vais récupérer un Isaron, les CA, un dixième de EFA, donc 30%, 30% pour une CA. Je récupère 3 dixièmes de CA pour une CA. Si tu prends une quantité de blé comme ça, tu vas le... Ouais, d'un litre, tu vas récupérer 30%. 300
300 centilitres de 300 millilitres plutôt, 300 millilitres de farine, d'accord, 30%. C'est le rapport normal, classique, du blé pour obtenir du blé jusqu'à la farine de blé. On récupère 30%, le reste, c'est des écorces que l'on jette. Si on récupère la farine blanche, après on peut faire de la farine complète et mélanger un petit peu plus. Quand on vous la vend plus cher, la farine complète, c'est une arnaque, parce qu'en fait, ils vous ont laissé plus d'écorces, ils ont vendu moins de blé. Mais ça, c'est un autre problème. Maintenant, pour notre Mishnah, maintenant, donc le cas classique, c'est ce qui se passe dans la Mishnah, dans la fin de la Mishnah, lorsqu'on va parler du Lechem Apanim. La Torah l'a prescrit pour le Lechem Apanim, que chaque pain, essayez de vous imaginer un petit peu, chaque pain, il faisait deux Issaron. On a l'impression qu'il y avait les 12 pains. Moi, en 12 pains, vous imaginez, le pain, chaque pain, il y avait de quoi faire deux fois le volume de Challah. C'est-à-dire, pour les Sfaradim, ça fait l'équivalent de chaque pain, il y avait 3,12 kg de farine. Pour les Ashkenaz, ça monte jusqu'à 5 kg. Chaque pain, il faisait 5 kg de farine. C'était les pains d'Admourim quand ils font le tiche. Vous connaissez peut-être pas, mais si vous avez l'occasion d'être à un Shabbat et à Yerushalayim, ça vaut le coup d'aller voir à Meacharim, je connais des Chassidim. Qu'est-ce que c'est un tiche le vendredi soir? Une fois que tout le monde est parti à la maison, ils ont fait la souda, ils reviennent, et là ils vont participer à la souda du Admour. L'Admour, on va lui apporter des énormes chalotes, où il va faire dessus aussi, il va manger un petit peu, il va partager toutes les énormes chalotes ensuite chez tous les Chassidim. Ben voilà, les 12 pains, c'était comme ça, des gros morceaux de pain, quoi. Chacun il faisait l'équivalent de 5 kg de farine, ou 3,15 kg pour les Sfaradim. Je sais pas qu'est-ce qu'ils étaient au Beit HaMikdash. D'accord? Ça, c'est pour le cas classique. Maintenant, lorsque la Torah me demande de faire à Pessah, par exemple, le deuxième jour de Pessah, le Korban à Omer, la Torah me dit, tu vas prendre cette fois-ci de l'orge, et tu vas en faire de la farine. Et idem aussi à Shavuot. Tu vas prendre cette fois-ci du blé. À Pessah, on fait un korban de blé, et à une mincha de blé, à Pessah, on fait une mincha d'orge, et puis ensuite, à Shavuot, on va faire une mincha de blé. C'est normal, c'est selon la période agricole, étant donné que Yemeketzir Chitim, et Yemeketzir Seorim. À Pessah, c'est Yemeketzir Seorim, les jours de la moisson de l'orge, c'est or, c'est ora, et à Shavuot, Yemeketzir Chitim, la moisson du blé. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque, le blé ou l'orge, il est encore très sec, très humide, il est encore tout frais. Il vient à peine d'être récolté. Donc, on va réussir à tirer beaucoup moins de farine. D'accord? Puisqu'on va réussir à tirer beaucoup moins de farine, alors il s'avère que là, les coefficients, ils vont changer. Il va falloir, pour pouvoir tirer une certaine quantité de farine, il va falloir apporter beaucoup plus de blé. Le rapport, il va changer. En l'occurrence, à Omer, Ayaba, Issaron, Mishalosh, Sein. Le Omer, pour pouvoir récupérer la même quantité classique de 1 Issaron, il fallait cette fois-ci apporter 3 Sein. D'habitude, on tire un Issaron de 1 CA, 30%. Cette fois-ci, il va falloir apporter 3 fois plus 3 CA pour pouvoir tirer ces 30% de l'un. Ça veut dire qu'on va tomber à 10%. D'accord? Initialement, il y avait 30, quand on dit 30%, 30 pour 100. Là, on va avoir 30 pour 300, puisqu'il y a 3 fois plus. 30 pour 300, ça va nous faire 10%. On va récupérer beaucoup moins de farine. Il va falloir travailler toute la nuit, s'occuper en fait de récolter le blé et puis de l'orge et de le faire sécher. Il y avait des systèmes là-bas pour le faire sécher, calouille, on le faisait un petit peu griller, et puis après, après il fallait le tamiser avec 13 napotes, comme on verra, Bezrat Hashem, dès la prochaine Mishnah, on va commencer à en parler plus. Ouais, prochaine Mishnah, le Zayin, on va parler du Korban du Omer. Donc, je reprends. A Omer Ayaba, Issaron Mishalosh Sein. Le Omer, pour pouvoir retirer cette quantité de 1 Issaron, pour faire la mincha de obtenir cette quantité de 1 Issaron, donc de 43,2 beitzim, l'équivalent de 2,42 litres d'orge, il fallait apporter 3 séin. Une quantité de 3 séin qui va donc nous correspondre à 3 CA, ça correspond à une EFA tout simplement en fait. 432 beitza en rapport. À Shavuot, lorsqu'il fallait apporter les deux pains, les deux grands pains de Shavuot, il fallait là-bas tirer Shnei Esronim, Mishalosh Sein. Tu prends une quantité de 3 CA. 3 CA, ça correspond en fait à une Eifa. Et tu dois tirer là-bas de une Eifa, 2 dixièmes de Eifa. Donc ça va nous faire l'équivalent tout simplement de 20%. On se retrouve à Pessah, à Korban à Omer, le 16 Nissan. On doit tirer 10%.
à Shavuot, on va tirer 20%. Et en temps classique, l'Echem HaPanim, c'est ce qu'on expliquait ensuite au début, l'Echem HaPanim, le pain que l'on apportait, donc le Shabbat, Esrim Ve'arba, Esronim, il fallait là-bas tirer 24, Isaron, mais à partir de 24, c'est A. Esrim Ve'arba, Esronim, Esrim Ve'arba, c'est In, donc 24, Isaron, Asirita Efa, à partir de 24, c'est A, donc en fait, il fallait tirer 24 fois 3 dixièmes, à partir de 24, c'est A, donc ça correspond en fait pour 1 Isaron, à partir de 1 CA. 1 Isaron à partir de 1 CA. 1 Isaron, donc ça veut dire 3 dixièmes à partir de 1. Tout simplement. Donc on va récupérer cette fois-ci 30% de farine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la tzlacha kol tov. C'est là.